C'est donc sans aucune originalité de ma part que j'ouvre la Bible au livre des Actes des Apôtres pour vous lire au premier chapitre les versets 4 à 11 qui narrent cet épisode de l'Ascension. Comme Jésus se trouvait avec les apôtres, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc, leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au numéro 372 et nous nous lèverons pour chanter les trois strophes de ce cantique 372. Thank you.
Éternel notre Dieu, aide-nous à nous ouvrir à ton esprit pour que nous soyons attentifs à ta parole, disponibles à ton évangile. Derrière les mots que nous avons entendus, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour notre vie. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Chers frères et sœurs, la fête de l'Ascension est peut-être la célébration la plus paradoxale qui soit pour des protestants de tradition réformée. Preuve en est que depuis le début du culte, nous ne savons pas trop s'il faut en rire ou en pleurer, et que même les cantiques joyeux que nous connaissons bien, nous les chantons comme si nous étions à un enterrement et ça nous reste en travers de la gorge. Cette fête de l'Ascension est paradoxale parce qu'elle nous met, dans une certaine mesure, mal à l'aise. Et pourtant, nous sommes là. Ce que l'on retient de cet épisode biblique est la montée spectaculaire de Jésus. Et la question est de savoir comment cela serait physiquement possible. C'est du moins sa question qui occupe, en général, l'esprit de ceux qui, du coup, ne viennent pas. Parce que ça leur semble tellement improbable qu'ils ne peuvent être présents, ce qui signifierait qu'ils adhèrent à ce point de vue. Ajoutons à cela que l'Ascension est fêtée le jour même. Nous fêtons l'Ascension le jeudi de l'Ascension. Et nous ne reportons pas cette fête sur le dimanche précédent, comme cela devrait se faire dans la pure tradition calvinienne. Ça pourrait être considéré comme une marque de superstition. Et du coup, ce faisceau de faits pourrait nous donner le sentiment que tout cela n'est quand même pas très raisonnable. Eh bien, en fait, chers frères et sœurs, les réformateurs tels que Calvin, et plus encore Zwingli, qu'on peut quand même difficilement taxer de superstitieux, ont pris très au sérieux l'Ascension. Et ils en ont même fait une clé essentielle pour comprendre de manière authentique ce qu'est la vie chrétienne. À la limite, là où le réformateur Zwingli a fait une lecture métaphorique de l'ensemble des textes bibliques, il a quasiment cédé au littéralisme sur cette question de l'Ascension. Pourquoi ? Eh bien, pour appuyer sa compréhension de la scène, à savoir que
Jésus n'est pas matériellement présent dans le pain et le vin de la scène. En effet, si Jésus est monté au ciel, alors il ne peut pas être physiquement présent dans le pain et le vin de la scène. Et donc, pour Zwingli, il est important d'insister sur le côté littéral, en quelque sorte, de l'ascension, pour pouvoir sauver sa lecture métaphorique de la scène. Prendre au sérieux l'ascension de Jésus, c'est prendre au sérieux le fait qu'il n'est plus là, qu'il n'est plus au milieu de nous. Toutefois, il me semble que nul besoin ne nous est fait de verser dans le littéralisme pour dire cela. Une lecture métaphorique de ce récit permet d'aboutir au même constat et d'en tirer des conséquences importantes pour la vie chrétienne. Oui, dire que Jésus est monté au ciel, dire qu'il est à droite de Dieu, dans les termes de l'Évangile selon Marc, c'est dire qu'il y a entre Jésus et nous une distance irréductible, un espace qu'il nous est impossible de franchir, ou pour le dire simplement, que Jésus n'est plus parmi nous vraiment. Alors cela est une évidence, mais c'est une évidence qu'il n'est pas mauvais de rappeler parfois. En effet, il peut nous arriver de prendre au pied de la lettre le cantique que nous venons de chanter. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. Si on suit un peu les paroles, c'est tout à fait l'inverse de ce que nous propose de vivre l'ascension. Surtout, ne pars pas, reste là. Reste captif de notre désir de t'avoir en notre possession. Ce cantique qui fait écho à l'épisode des disciples en route vers Emmaüs, justement cet épisode qui précède l'ascension. Eh bien, il n'est pas rare que la présence de Jésus soit requise auprès de nous, sinon affirmée. Soit parce que certaines prières s'adressent à Jésus comme s'il était là, à nous écouter, soit parce qu'il peut arriver que nous entendions des phrases qui semblent dire que Jésus serait effectivement là. Mais l'ascension, précisément, contrarie ce désir. L'ascension met en place une vie sans Jésus, radicalement sans celui qui, dans un langage technique, nous fait découvrir ce qu'est la théologie de la sécularisation. La théologie de la sécularisation, c'est envisager la vie sans la présence d'un être qui manifesterait totalement l'espérance divine. Pour le dire dans un langage moins technique, ce que l'ascension nous propose, c'est de fêter la liberté. L'ascension comme fête de la liberté. Voilà ce que nous pouvons fêter aujourd'hui. Et du coup, nous pouvons quitter, abandonner ce regard chargé de tristesse qui nous traverse encore là, maintenant. Premièrement, nous pouvons célébrer la liberté d'être. Voyez, si l'évangéliste Luc, qui est l'auteur des Actes, avait été un brin provocateur, il aurait pu faire dire aux disciples par ces deux personnages dont il dit qu'ils sont vêtus de blanc, il aurait pu faire dire aux disciples, aux apôtres, qu'ils sont enfin débarrassés de Jésus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Les apôtres, et donc nous à leur suite, nous sommes enfin débarrassés de ce Jésus. Les disciples sont désormais libres d'être eux-mêmes. Ils n'ont plus à marcher dans les pas de leur maître. Ils ne sont plus désormais dans l'ombre du Galiléen, mais en première ligne. Désormais, c'est eux qui seront les sujets de l'histoire. Désormais, ils ne vivront plus par procuration. Et c'est même chacun d'eux qui sera exposé à la face du monde, sans que Jésus fasse écran. Les disciples cessent d'être les acolytes de Jésus. Les acolytes, ce sont ceux qui suivent. Les disciples ne sont donc plus des suivistes. Nous ne sommes plus des suivistes. Nous pouvons frayer notre propre chemin.
Chacun peut donc désormais mener sa propre trajectoire. Nous sommes libres d'être nous-mêmes. Les disciples deviennent adultes, majeurs, et à notre tour, nous sommes en mesure d'accéder à notre propre majorité. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, évoque le statut de l'héritier qui n'est encore qu'un enfant et qui est donc l'esclave de son administrateur. Ce sont ces termes. L'ascension dit la fin de la tutelle. L'ascension pose l'autonomie de l'homme devenu majeur. Inutile de scruter le ciel pour y chercher des réponses à notre quête d'identité, c'est sur cette terre où nous sommes que tout se trouve. En affirmant que nous avons été justifiés par grâce seule, selon les termes qu'il emploie dans l'Épître aux Romains, Paul dit par ailleurs que la foi chrétienne atteste que nous n'avons pas à implorer quelque ciel que ce soit pour devenir quelqu'un. Cela nous a été donné et nous sommes donc libres maintenant d'en faire quelque chose. Notre identité nous a été donnée, il nous appartient désormais d'en vivre. Le deuxième aspect de la liberté que nous révèle l'ascension, c'est la liberté de penser. Pourquoi Jésus annonce-t-il la Pentecôte et le don de l'Esprit ? Parce que l'Esprit est ce qui désigne notre capacité à nous mettre en relation les uns avec les autres, à considérer notre vie au regard d'autres vies. C'est ce qui va se passer à Pentecôte. On pourra même entrer en communication avec des gens qui, a priori, nous sont tout à fait étrangers. Nous allons pouvoir entrer en communication avec le prochain qui est le plus lointain qui soit. Nous sommes donc capables de mettre en œuvre une intelligence collective. Nous sommes donc capables de penser. Car dans la Bible, penser n'est pas un acte solitaire. Jésus quitte les apôtres en ne laissant aucun écrit. Il part en laissant des pans entiers de la vie quotidienne sans aucun éclairage de sa part. Il ne s'est pas prononcé sur le statut du fœtus. Il n'a rien dit de la fin de vie non plus. Et entre les deux, on ne sait pas ce qu'il pense du nucléaire, des 35 heures, des collants ou des mi-bas, des investissements du Qatar, du travail clandestin, de l'heure d'hiver, des couteaux à bourron, de l'art conceptuel, du coca-light, et vous pourrez continuer la liste. Jésus part en laissant les disciples sans aucune feuille de route qu'il faudrait suivre à la lettre. Les disciples et nous maintenant sommes donc libres de penser la vie, d'envisager de nouveaux modes d'être, d'innover, d'interroger le monde, de développer les sciences et de développer les sciences sous toutes leurs formes. L'ascension, quelques chapitres après le livre de la Genèse qui avait déjà entrepris ce travail-là, nous autorise d'entrer de plein pied dans le monde de la science et de penser en toute liberté. Nous sommes libres d'explorer le monde et de donner du sens à ce que nous observons. Nous sommes libres d'interpréter ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous percevons. Et les disciples commenceront par donner du sens à ce qui a été vécu avec ce Jésus qui a tellement bouleversé leur vie. Ils donneront d'ailleurs des sens différents dont on trouve les traces dans les différents évangiles et les écrits du Nouveau Testament. Des différences qui montrent bien que dès le début, il y a eu des interprétations différentes et que cela n'a pas posé de problème. Il y a même eu des conflits d'interprétations
entre les disciples de Jésus. Et cela n'a pas posé de problème. Tout cela a été rassemblé dans le canon des Écritures. Et puis, il y a eu bien des conflits entre les apôtres sur la question de la circoncision, sur les lois alimentaires et même sur l'usage de la loi. Eh bien, tout cela n'a posé aucun problème. Parce que l'ascension nous autorise à penser librement notre vie, puisque nous sommes libérés de la tutelle divine, et donc de toute forme de tutelle. Nul ne peut prétendre penser à notre place, et de ce point de vue-là, l'apôtre Paul ne va pas se gêner. Eh bien, nous n'avons aucune raison de nous gêner non plus. Nul ne peut exiger que nous pensions ceci ou cela. L'ascension nous donne une bonne raison de résister à tous les totalitarismes de la pensée. C'est qu'il n'y a pas sur cette terre une instance qui fasse figure d'absolu. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une institution, ni quoi que ce soit, qui puisse prétendre détenir la totalité de la vérité, la totalité de la science divine. Enfin, troisième point, parce que Jésus n'est plus là, il ne peut plus agir à la place des disciples, des apôtres, il ne peut plus agir à notre place. On peut toujours se demander ce que Jésus ferait à notre place, mais en pure spéculation. C'est là le troisième aspect de notre liberté. Nous sommes libres, totalement libres d'agir, de nous engager dans le monde, sachant que Jésus ne le fera pas à notre place, comme il avait pu le faire si souvent durant son ministère, prenant les initiatives, rattrapant les bourdes des disciples, s'interposant en cas de difficulté, les défendant si cela était nécessaire. Nous, nous sommes sans filet. Et c'est ainsi que s'ouvre devant nous le champ de l'éthique. Parce qu'il n'y a que nous sur terre, c'est à nous que revient le soin d'organiser la vie. C'est donc à nous que revient le soin de mettre en place le vivre ensemble, qui est la fonction politique. C'est à nous que revient le soin de mettre en place l'éducation, qui fera passer chaque génération du stade d'enfant au stade d'adulte, et qui permettra à chaque génération d'exercer ses propres responsabilités. C'est à nous que revient de mettre en place la justice, qui arrêtera autant que possible ce qui menace d'endommager la vie. C'est à nous que revient le soin de mettre en place ces institutions qui rendent la vie possible, qui la préservent et qui l'épanouissent. La liberté d'agir nous est donnée par cette absence de Jésus, par cette absence de Dieu totalement agissant dans notre histoire. Pour que le monde continue à être créé, c'est donc à nous d'entreprendre. Pour que la paix soit une réalité tangible, c'est à nous de l'instaurer. Pour que chaque être humain puisse manger à sa faim, c'est à nous d'agir en conséquence. Voilà ce que nous dit l'Ascension. C'est à nous de nous retrousser les manches. Parce qu'il nous a établis dans notre humanité, qui nous donne cette liberté d'être, parce qu'il nous a donné les moyens de penser notre vie, de penser le monde, en fonction de l'ultime et pas en fonction de nos seuls désirs, Jésus nous a équipés pour répondre aux défis de l'existence, pour être responsables, pour mettre en œuvre une éthique de la responsabilité. Comme l'évangéliste Jean l'a rapporté dans le discours d'adieu à ses disciples, je cite, c'est Jésus qui parle, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Bonne nouvelle, Jésus est parti. Il est avantageux qu'il y ait eu cette ascension radicale pour que nous accédions pleinement à notre liberté. Il importe toutefois de préciser
que cette théologie de la sécularisation se distingue d'un sécularisme qui balayerait le sacré. Ici, la liberté ne consiste pas à faire table rase du théologique, du divin. L'ascension ne consiste pas à nier la dimension spirituelle de l'être humain. Pour reprendre la lecture métaphorique du départ, on pourrait même dire que l'ascension révèle que le ciel est plein, que le divin ne se désintègre nullement. La théologie de la sécularisation, pour reprendre les termes du théologien Gogarten, qui a consacré la plus grande part de son œuvre, déclare que l'homme est sauvé lorsqu'il se connaît comme fils, non pas comme enfant, mais comme fils, c'est-à-dire celui qui se sait en lien, mais qui est capable de devenir adulte. En revanche, ajoute Gogarten, il est perdu lorsque sa manière de se connaître et de se prendre en charge implique qu'il cherche à se donner lui-même sa raison d'être. Le sécularisme, ce serait de faire table rase de tout ce qui nous fonde, de tout ce qui peut être pour nous une aspiration à un plus à vivre, à un mieux-être. L'ascension n'est pas un rejet du religieux, mais l'affirmation que nous sommes équipés pour faire valoir notre liberté d'être, notre liberté de penser, notre liberté d'agir. Tant et si bien que les actes des apôtres que nous sommes peuvent désormais s'écrire sans que Jésus tienne la plume. L'ascension affirme que la liberté de Jésus a été suffisamment contagieuse pour que nous soyons désormais en mesure de vivre en toute liberté, de manière autonome. Notre liberté ne consiste pas dans une révolution qui ferait table rase de tout ce qui nous a précédé. Cette liberté se révèle comme un don, un cadeau qui nous est fait par ce que nous nommons l'éternel et qui désigne à l'homme un lieu où se tenir pour être, pour penser et pour agir. Amen.